Et récompense d'âme. Je sais pas si ça aurait marché en fait. Je pense que si. Vu que c'est censé être sur la vie qu'on a actuellement, qu'on est récompensé. Donc un petit misplay de ma part. Le quatrième et dernier challenge, qu'est-ce que ça va être? Fin sanglante. Tu es 30 ennemis avec les attaques fatales de guerre, soyez rapide pour gagner des âmes supplémentaires. J'ai cliqué sur le bouton pour revenir au menu. Putain, ils en pop un deuxième comme ça. Ils ont aucun respect. Non, c'est rien. Il va continuer à spammer comme ça et tout. Ça va être la fête. Et voilà. Contre-attaque. Les réflexes de guerre ont été réveillés et lui permettent de contrer toute attaque physique ou projectile. Appuyez sur RB juste avant l'impact. Ok. C'est comme la défense, juste je l'utilise pas en fait. Comme ça, mais...
Et là, on va retourner voir le gros golem. Qui, tout simplement, devrait nous laisser passer maintenant. Je me souviens pas que le chemin était aussi long en fait. Et voilà. Du coup, maintenant, on peut passer. Cette amélioration augmente les dégâts de guerre avec un armement improvisé, c'est-à-dire... Amélioration d'armes. Les améliorations d'armes doivent être insérées dans une arme dans la partie forge d'armes de l'inventaire de guerre. Genre, je prends ça et je le mets là. D'accord. Et je veux pas utiliser un armement improvisé, moi je préfère utiliser ma grosse épée, hein. Et tu vois, s'ils comptent que ça est un armement improvisé, ça peut être pas mal. Alors. Des chauves-souris. Un troll chauve qui sourit. Ils veulent pas se réveiller? Ah, si. C'est un peu spécial là, ce qui s'est passé. Alors pour l'instant on n'a pas la possibilité de péter la glace, je crois. Hein. Donc on viendra ici plus tard. Je pense que c'est pour un morceau d'armure abyssale. Allez, ramener des ennemis. Voilà, je crois que c'est bon. Coup de tête dans la porte, ou coup de pied, je sais pas trop. Mais que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas très très développé chez lui. Quoique les pieds, ils sont énormes. Il y a des pieds, mais de la taille de je sais pas quoi. De la tour Eiffel. Allez. Voilà, là je n'ai plus d'ennemis. On a un souterrain
ici. Donc, à la droite de mon personnage, ici. Qui correspond au métro. A priori, il y a un magasin de Wulgrim dedans. On peut le voir au petit logo qui pendouille. Et ensuite, je dirais, vu qu'il est quand même assez grand comme chemin, doit possiblement y avoir d'autres choses. Le bouton pour plonger. Alors, je crois que ça, c'est un coffre qui augmente la vie maximale, voilà. Donc il faut 4 éclats de pierre de vie pour faire une pierre de vie. Et une pierre de vie permet de débloquer une... comment ça s'appelle? Une barre de vie en plus. C'est un peu comme dans Devil May Cry, hein. La plupart des systèmes dans ce jeu sont un peu comme dans Devil May Cry. Non, là j'ai déjà été. C'est là que j'ai pas encore été. J'étais en train de me demander où il fallait que j'aille. Là, un cercle de Wulgrim, on parle. Augmente les dégâts infligés par une attaque avec arme. Ça m'intéresse beaucoup plus que le truc qu'on m'a refilé. Je pourrais peut-être acheter une faux. Nice. Ou attendre pour acheter la faux de la mort. Dans tous les cas, j'achète ça. Voilà. Et c'est plutôt stylé parce que chaque rune en fait sur l'arme rajoute un petit effet là, vous voyez, j'ai une espèce de fumée blanche là où j'avais une fumée violette quand j'avais l'autre rune. Voilà. C'est assez rigolo. Je trouve. Me jugez pas. Alors on va visiter ce bâtiment parce que je crois que c'est pas là qu'il faut aller. On a vu un coffre avec des âmes. Ah, même pas eu le temps de le tuer. On a un coffre avec des âmes ici. Ensuite, a priori, on a un parcours à faire en vol pour aller sur l'autoroute. Voilà. Alors maintenant qu'on est sur l'autoroute, ah, c'est là qu'il faut aller. Ok, bon, bah c'était là qu'il fallait aller. Je ne suis pas un grand explorateur, il semblerait. Alors un coffre de vie max. Allez, crève. 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 Et maintenant c'est votre tour. Messieurs, mesdames, les zombies. Voilà. Ça c'est fait. Hop, il y avait des voitures dans le chemin. On les défonce un peu. Alors, je crois qu'il y a aussi des endroits où on pourra récupérer des pierres de vie complètes. Parce que si on regarde au tout début du jeu, quand on avait encore supposé, entre guillemets, les pleins pouvoirs de guerre, on était, je crois, à 7 barres de vie. Donc il faudrait soit qu'il y ait vachement beaucoup de coffres, ce qui est possible aussi, hein, soit qu'il y ait aussi des endroits où on peut avoir un truc en entier. Oh ! Un nouvel ennemi.